Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Anthony termine la tondeuse dans le jardin puisqu'hier, alors je vous ai pas trop expliqué, mais hier en fait la tondeuse elle s'est mise à chauffer. Donc ça fait un petit moment déjà qu'elle nous fait des petites frayeurs comme ça la tondeuse, mais là c'est vraiment la fin, donc il a préféré arrêter hier et là il s'est dit tiens je vais réessayer. Et du coup il a retenté et là ça a l'air de fonctionner. Donc j'espère qu'au moins on pourra finir le jardin, parce que on s'est arrêté à la moitié. Ça faisait vraiment trop bizarre, une moitié de jardin faite et pas l'autre. Donc bref, là ça a l'air d'être bien parti. Aussi Anthony a avancé dans le couloir, donc c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer après. Là on entend à la tondeuse, les enfants sont dans le jardin, il fait beau encore aujourd'hui. Et ça devrait pas durer normalement, c'est dommage parce que demain il fait pas très beau. Ouais, ça va pas être dingue. Donc du coup les enfants en profitent et ils ont bien raison. Inès adore. Alors hier elle a fait un truc trop bizarre. Elle a bu son dernier biberon, il devait être 18h. 18h et ensuite elle dormait. Elle a dormi en fait de 18h jusqu'à ce matin quasiment 8h et on l'a réveillée. Donc parce que j'ai pas voulu la réveiller dans la nuit ou quoi pour lui donner un biberon, je me suis dit si elle se lève pas c'est qu'elle a pas faim. Mais ça m'a fait bizarre qu'elle tienne autant de temps comme ça. Ça dépend, mais elle était vraiment fatiguée hier, donc pourtant elle a rien fait de dingue. Mais elle était vraiment fatiguée. Je pense que c'est la chaleur qui fait ça, parce que bah voilà, elle a rien fait, et même chez mes parents elle dormait aussi. Donc je sais pas, c'est ouais, c'est la différence de température, ça l'a couché. Donc là comme tous les dimanches c'est poulet rôti, c'est ouais, c'est la routine, c'est le rituel. Mais on aime bien nous avoir des routines, je crois que vous l'avez remarqué. S'il n'y avait pas de routine, je sais pas, je me sentirais pas bien en fait. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de routine, mais moi c'est le contraire, je ne peux pas ne pas avoir de routine. Si on n'a pas nos rituels du samedi, du dimanche et tout ça, ça va pas. Donc du coup le petit rituel du dimanche, poulet rôti, on va pas faire avec des frites par contre, parce qu'hier soir on a mangé des frites. Donc on va faire avec des légumes tout simplement et ce sera très bien. Donc bah voilà, faudrait que j'arrête de parler, que je me motive et qu'on prépare le repas. C'est parti. Alors donc là c'est parti, je vais préparer ma marinade pour le poulet rôti. Je change à chaque fois. Là c'en est, enfin, c'est une marinade qui est vraiment très 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 bonne. Donc il vous faut deux petits fromages blancs comme ceci, ou des yaourts grecs ou des yaourts nature. Enfin voilà, quelque chose comme ça, voilà, de nature. Un petit mélange d'épices comme ça à base d'ail, des herbes comme ça séchées, je ne sais plus trop c'est quoi le nom de ce mélange là, je crois que c'est du persil avec autre chose, mais il est très très bon. Du coup ça c'est le même. Il vous faut aussi du concentré de tomate et il vous faut de l'huile d'olive. Donc c'est parti, on va mélanger tous les ingrédients et ensuite on va badigeonner notre poulet avec ça. Alors donc en premier je mets mon fromage blanc. Je précise aussi que j'ai mis mon air fryer en préchauffage, en mode de rôtir. Voilà. Voilà. Donc j'en mets deux parce que j'ai deux poulets. En fait, c'est deux petits poulets. Il n'avait plus que ça à la boucherie. Donc du coup, j'en prépare un petit peu plus. Mais normalement, un seul yaourt, ça vous suffit. À part si votre poulet est très gros. J'ajoute le concentré de tomate comme ça au pif. Franchement je fais pas... Une fois je me suis trompée. Je pensais avoir pris le concentré de tomate, j'ai pris la rissa. Vous n'imaginez même pas la tête des enfants quand ils ont goûté le plat. Et j'ai même pas, je m'en suis même pas rendu compte en fait. C'est en goûtant que j'ai dit c'est bizarre, c'est vachement épicé. Donc c'était compliqué hein. Pour les enfants, ils ont pas pu manger, j'ai dû faire autre chose ce jour-là. Enfin bref, du coup je fais toujours attention maintenant. Donc là je mets les épices. Voilà, faut bien en mettre. Je prends des épices qui sont pas du tout piquantes parce que les enfants ils repèrent tout de suite le piquant dans les plats, donc je fais attention. Et mon petit mélange, je rajoute mon huile d'olive. Et je mélange. Ensuite je vais badigeonner cette préparation sur mon poulet et je vais pouvoir mettre dans l'air fryer. You know you're still the one for me.
even though we are done. But we both know that we don't matter now. You keep coming up with excuses. You know what, I don't care. No energy to spare. J'ai réussi à mettre les deux poulets à l'intérieur. Alors pour vous donner une idée, ce sont deux poulets d'environ 1,2 kg chacun. Donc voilà, des poulets plus gros ça rentrerait pas, enfin deux ne rentreraient pas côte à côte. Un seul gros ça rentre, mais deux gros non. Donc là c'est deux petits, deux moyens, deux petits poulets tôt. Donc là c'est parti, je vais mettre 30 minutes à 200 degrés en mode rôti. Why I know that I won't get you. Et là, nous allons récupérer encore deux pots pour mettre dans le jardin. Voilà, ça fait déjà mieux. Franchement, je vous promets, rien que des petites plantes comme ça, là, ça change tout. Oui, on est des grands dingues de plantes. Dans l'autre jardin, on avait planté beaucoup de choses. Là, on va en mettre moins quand même, parce que je trouve que ça prend beaucoup de place. Donc ouais, on en mettra un peu moins, mais on va en mettre quand même. Parce que c'est trop joli. Donc là on va récupérer la suite. On a fait une grosse pause parce que Victor demain il a une grosse éval de quoi Victor? D'histoire. Donc là on est en train de faire des révisions et j'étais en train de lui faire des petites fiches pour synthétiser un peu parce que c'était très lourd je trouve. Et là il va pouvoir réviser tranquille les principales dates et tout. Enfin voilà quoi. Donc mais ça a pris du temps de faire toutes ces fiches. Et là donc bah, on y va, on décolle, il fait encore beau aujourd'hui. Donc ça va être bien. On va se faire une petite promenade en même temps, on va marcher tranquillou et puis voilà. Mimounite ! Mimounite ! Elle est tout le temps en train de rigoler Inès. Tout le temps. Tout le temps la moumoune. Moumounite. Allez Zou, petite promenade. Parti pour la promenade de Moumoun. Oh c'est parti. Bon, voilà la moulure posée. Alors, c'est pas difficile à poser. Par contre, il faut quand même bien la travailler. Sinon, on peut avoir des petites. Ça peut être un peu gondolé par endroits. C'était le cas de l'autre côté. Et en la chauffant bien, ça se remet. Mais comme ça, ça se voit pas, mais c'est quand on recule. Bon, là, celle-là, elle est nickel. Mais l'autre, elle est un petit peu gondolée. Je sais pas si vous voyez bien. Purée à Compiègne. Ouais, Compiègne. Les Anglais disent que c'est une sorcière jugée brûlée vive sur le bûcher. Alors, nouveau chantier. Nouveau chantier, on est mal. On s'attaque à la cuisine. Une partie pour l'instant. Partie de la cuisine. Petit à petit. Donc là, l'objectif du jour, c'est de retirer la hotte. Mais du coup, on n'a pas le choix. Il faut. Que je le fasse en deux fois.
Ouais, alors vas-y, explique-nous. Alors il faut d'abord que je démonte le meuble là. J'enlève le meuble. Il y a la prise de la hotte. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Voilà. Magnifique. À partir d'aujourd'hui, je décrète la cuisine en bazar. On est mal. Oh là là, mes assiettes, elles vont prendre cher. Regardez-les bien, une dernière fois. Et on gère, ça. Non. Ah. On y croit. Et un pouce en l'air pour Anthony, obligé. Là, il donne deux à personne là pour. Ouh là là, c'est risqué là. On prend des risques là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça va dégager, ça va partir. J'espère qu'il va pas tomber l'autre d'à côté. Non. Parce que sinon, on est mal là. Mes tasses. Ah bah du coup, je suis obligé d'en acheter d'autres. J'en ai repéré plusieurs chez Action, là, des... Ah, parce qu'imagine tout tombe. Ah, c'est chaud, là. Là, on est mal, là. Là ça tient plus. Mais du coup, je sais pas si on va remettre tout ça après. Je vois pas l'intérêt d'avoir tout vidé pour... Non, mais là, je vais juste le déplacer. Là, je me mets ma jambe. Ouais, je sais, mais... Non, mais je veux dire, après, ça sert à rien de la remettre. En levier, normalement... Ah là 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 là. Première étape de la cuisine. Ça, ça a marqué d'une pierre rouge, ça. C'est ma jambe qui porte tout. Ça, je peux pas le porter comme ça. Il est fort. Il est fort, cet homme. Donc là, je le mets en location. C'est combien tu prends pour une heure? Trop cher. Trop cher. Trop cher. Non. Bah, si je peux, non, je fais un bon comme ça. Non, donc en fait, voilà. La prise, elle était juste derrière. Bon, il y a de la tapisserie, toujours. Des petites choses comme ça. Que, comme je vous disais, comme ça, on va pouvoir tout nettoyer. On va pouvoir tout, parce qu'il y a plein de crottes de mouches partout là-haut. Je sais pas si vous voyez, non vous ne verrez pas, mais c'est vraiment sale. Donc du coup on va pouvoir en profiter parce qu'ils vont venir en juillet, normalement. Donc voilà, il faut que tout soit fait avant, que tout soit bien nettoyé, etc. Donc Anthony, l'homme de la situation. Quand je vais enlever ça, je vais moins rigoler là. Allez vas-y, on y croit. Comme on y croit. On y croit.